Salut à tous, c'est Jeff et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Battle Brothers. On continue avec nos amis les anatomistes, on continue à chercher l'élu. Alors on a, enfin à chercher l'élu, on l'a, maintenant on continue à le buffer. Alors il est toujours malade, entre 25 et 28 jours. Se porter une réflexion d'acheter le médecin, je pense que ce qu'on va faire dans cette vidéo. Le chirurgien pour améliorer le temps de réaction, même si c'est qu'un jour, c'est déjà ça de prix. Alors, on avait réfléchi à aller faire un petit tour vers Ikmai, ce serait peut-être pas mal en vrai. Niveau nourriture, on en était où? Est-ce qu'on avait de quoi manger? C'est correct. On va se prendre un petit truc de nourriture quand même, et après on va aller tranquillou vers Ikmai. Dans l'objectif, voilà, nous c'est le temps déjà de refaire nos... Ah! Un leader ici, un leader là. On peut regarder qui gagne, s'il y a un leader qui est encore en vie le combattre. Le problème c'est que nos armures sont pas... c'est pas la grande forme quoi. Mais on peut regarder s'il y a vraiment un leader qui gagne un peu... Est-ce qu'il y a encore leader? Oui. A few nomad cutthroat, some nomad outlaw, a nomad leader. On peut leur courir après tranquillement. Ce qu'il y a de bien avec les leaders du sud, c'est qu'ils ont toujours des armures à 200. D'endurance, et ça c'est la bonne nouvelle. Regardez, est-ce que ça passe? À 52, toi c'est un peu compliqué. En soi on a du dégât quand même. Je vais recruter... J'ai acquis la mitaine au cas où, vaut mieux l'avoir maintenant. Ouais, j'ai de quoi voir venir quand même. Le leader est trop intéressant je pense pour pas le prendre. Genre qu'il y a des catchfalls en plus. Donc il y a quand même normalement de la piétaille un petit peu. Ok, alors c'est un leader qui n'a pas d'armure à 200, je suis très triste. Est-ce qu'on recule? Fais voir la tête de l'équipe, est-ce qu'il y en a déjà qui avaient la blessure, une blessure formante qui les empêchait de se déplacer? À ce niveau là ça a l'air ok. Ah non, lui pouvait pas trop, Rudolf. Ok, ils sont que un, donc s'il avance là il pourra taper lui. Peut-être qu'éliminer lui assez vite ce serait quand même cool. Toi tu peux monter ici sans trop de soucis. Ah merde, il y a deux d'écart donc je pouvais pas taper lui quoi qu'il arrive. Ok, c'est déjà ça de prix. Toi tu peux rester là au cas où il y en a un qui tente un contournement foireux. J'ai un peu envie d'aller là du coup, j'ai pas une bonne position par rapport à lui mais tant pis. Là c'est risqué parce que du coup... Si lui monte, il pourrait être frappé par lui. Et ça m'embête. Pour l'instant, je vais te laisser un peu derrière vu qu'il a une armure affaiblie. Toi, Mathis, bon. Il y a deux d'écart aussi là? Non, pourquoi il peut pas frapper un... pas, ok. Je vois pas trop pourquoi est-ce qu'il peut pas frapper, c'est à cause de la vision? Parce que là normalement il a la distance et la hauteur c'est bon. Ça c'est problématique, ça faisait pas partie de mon plan. Du coup tu vas commencer à faire un petit tour. Hein. 5%, 18%... 31. Oh, ça c'est bien ça. C'est pas trop mal parce que pas grand monde pourra l'aider. Il pourrait pas frapper donc ça a pas trop d'intérêt. Je vais plutôt te mettre là. Ok, il a préféré taper le bouclier.
Oh salaud. Je peux essayer avec ça, parce que ça tuera aussi. Nickel. Toi, tu peux aller peut-être du coup vers lui. Ah, dommage, on n'a pas endurance de poussée. Ça aurait été très pratique. Ouais, effectivement, donc il devait bien avoir un problème au niveau de la vision. Toi, t'as pas encore joué. Ouais, j'aurais dû placer là directement. On peut rester tranquille. Voilà. Où est-ce qu'on veut te faire aller, toi? En vrai là ça paraît pas trop mal mais... Parce que toi je peux te monter ici mais bon... Il avance pas grand chose. Alors tu viens là-haut pour essayer de stun le leader de temps en temps, ça me paraît pas mal. Lui avec son arme, peut-être qu'il pourra taper quand même ici. Il reste combien de haches? 3, ok. Dommage. Tu vas aller là. Dommage. Ah, il a pas quick ends. J'avais oublié. J'avais oublié qu'il avait pas quick ends. Belle esquive. Bon vieux Arnold. Salaud. Pas tuer lui, dommage. Ok, cool. On te retourne vers lui du coup. Il peut peut-être se faufiler. Heureusement qu'il esquive hein, parce que ça serait pas la même, je pense, s'il esquive pas. On va se faire un Dolson, ton tue direct. Je peux pas remonter ici. Ouais, pas trop mal comme ça. Toujours les bébés chelous.
Ça va. Il y a un monde où il fuit. Ok, bien. Bien aussi. C'est qu'en skill de mêlée, du coup, on a pris cher, quoi. Donc on est malade. Qui va lever son bouclier à chaque tour, donc autant y aller franco. Pourrait le repousser, mais bon. Peut-être un peu blessé. Ah, il a pas levé son bouclier. J'espère de ne pas tuer l'élu quand même. Ok, ça c'est bien. Ok, alors ce qu'on va faire, on va juste attendre les lions, on va essayer de tuer quand même. Dommage. Dommage, ça va faire un petit kill pour l'expérience. Bon, c'est bien, ok. Pas le combat le plus intéressant, mais... Bon, c'est pas notre bouclier légendaire qui l'a détruit. Non, il y a un autre super bouclier légendaire. 60. Hop là. On pourrait mettre un petit point quand même en moral parce que sinon il va fuir en 2-2. Toi, est-ce qu'on réfléchit à Quicken? C'est encore une fois cette question, est-ce qu'on jouait fléau ou pas? On est un peu... Ah, il nous faut qu'on trouve l'arme en fait. Je pense... Parce que si on joue fléau, Quicken c'est pas si intéressant que ça. Si on part vraiment dans une stratégie de lone wolf ou presque. On a donc... Ah, on a deux brothers qui nous rejoignent, ok. C'est des étoiles correctes, mais alors bon... Pas des stats très intéressantes de base. Et toi... Ouais, pas d'étoiles en... Pas d'étoiles en tir, ça ne m'intéresse pas. Ah, y a toute une famille qui nous a rejoint. Ah, on a plus de munitions aussi, il va falloir s'en occuper. Sans regarder même un Neon Raider. Bon, t'en fous. Faudrait qu'on aille là pour récupérer la goose. Nous ferait de l'or en continu, c'est bien. Est-ce qu'on vend bien ici? Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Par contre, on achète cher ça. Ok, ça on sait où c'est.
Redstone of House Amont. Bon, ça remonte, c'est loin. Je pense qu'on va à Ikma. On fait des petits contrats, ça nous laisse le temps de finir de nous réparer, de nous soigner. Et après, on remonte dans le nord faire des, faire du bazar. Alors, oh, on vend bien ici, 112. Mais écoutez, c'est vendu. C'est vrai que si on fait un spécialiste de la hache, mais une hache à une main, c'est pas terrible. Hein. On va faire quand même les haches à deux mains. Bon, la collection de trophées. Hein. Voilà qui est mieux. On va peut-être se prendre un peu plus de munitions quand même, histoire d'être tranquille. Je vais reprendre un peu de nourriture. On peut garder ça, en vrai deux c'est trop, mais un c'est bien. 4 yens. 4 yens, on en pense quoi? Toi, t'es malade. 22 à 25, c'est formidable. 4 yens, est-ce qu'on a une équipe qui pourrait le faire? C'est pas un des combats les plus durs, ça. Normalement, avec eux qui ont des bonnes défenses de mêlée, s'ils lèvent le bouclier et qu'ils mettent la parade, normalement, ça passe tout seul, hein. Attendez. Juste petite vérification. Oui, si j'ai une épée en plus, donc j'ai trop, mais j'ai mes 3 épées. Weapon Smith, un fléau de dingue. Pas du tout. On peut toujours pas guérir la sickness. Ça, c'est vrai, c'était ce que je voulais checker entre deux épisodes. On va pas recruter de brother, ça j'ai. Ah non, c'est pas la chasse aux ifrites. Okay. On va accepter et on va tenter. Alors attendez. On peut tout à fait faire avec lui. Lui. Et lui. Faut juste que j'en mette meilleure armure. Donc ça, j'ai une armure à 130, 140, 130, 150, 160. Ok, on peut prendre celle-là et la mettre sur lui. Combien? 32. Ça booste plus la défense à distance, hein, avec la défense de mêlée. Donc j'ai plutôt donné ça. Ok. Est-ce que je lève le bouclier? Ok, il y a une forte probabilité qu'il y en ait qui jettent sur lui. Voilà. Ok, là on vient de voir la puissance des parades. Toi tu vas parer, les deux autres vont juste taper. Vu qu'ils sont à côté, quoique. Toi une parade c'est bien, parce qu'en fait les hyènes attaquent 3 fois par tour. Donc ce qu'il faut voir c'est que si elles touchent pas, on a quand même une bonne probabilité de s'en sortir. Ok, bon là on s'est fait toucher 3 fois. C'était quoi les probabilités? 22. Bon, elle a fait 14-11-2. Hein. On est sur une hyène d'élite.
Ça m'emmerde un peu. Oh, Coco, sous le nid, le bus. Finira bien par l'avoir. Hein. Je peux aller là. Hop là. Hop. Bon, un contrat assez facilement. Non. Exécuter. De l'argent bien gagné. 22. On va remonter, ça c'est sûr. On va remonter, aller faire la guerre. Tranquille, ok. On pourrait les combattre, hein. C'est pas des ennemis très durs à combattre, mais moi ma priorité c'est plus d'aller d'aller piller les maisons nobles. Donc on avait toujours une rumeur d'une location légendaire à l'est de Drakenstadt, mais on n'a pas trouvé ça. Je sais plus si Drakenstadt ou Valheim, mais c'était dans cette zone là qu'on disait qu'il y aura un objet légendaire. Le problème c'est qu'il peut pas être là normalement parce qu'il y a moins 9% de chance d'objet. Donc je vois pas trop où est-ce qu'il peut être. Soit c'est beaucoup plus à l'est, donc dans cette région là. Soit c'est peut-être un peu plus vers le... Bah, vers le nord, non. On va regarder la taverne. Super. Il n'y a pas grand chose à coûte cher, quoique 224 on peut prendre des outils. Pose de track, bon, on s'en fout. The Rin Misha Barak near Drakenstadt. Ça peut être bien parce que les milices évidemment ça sécurise les zones donc ça évite. Travel to Walam is northwest, help in the siege. Ça me mettrait en guerre contre cette maison là et j'ai pas envie donc ça c'est mort. Fig on way here hidden way on the hills of southwest. Ok. Bon, peut-être que je cherche quelque chose que je ne trouverai jamais. Jackie la légende. Armorer. Ok. On va faire ça. Sera la basson contre des... Les baraques ça peut être bien quand même. Oh c'est des araignées. Ok. Bon ça va normalement. Si je pense qu'on a combattu les araignées quand même on doit avoir la... S'il y a une potion on doit l'avoir. De toute façon là, au niveau où on en est... En fait, je sais pas si c'est intéressant pour moi de comment dire, de prendre plus de potions. Parce qu'en fait, le problème c'est que là, il va rester malade très très longtemps, mon brother. Déjà là, 20 jours, c'est long. Mais le problème c'est qu'on n'a pas la potion. Celle des ifrites, elle est forte, il me semble, parce que je régène de l'armure à chaque tour. Donc on aurait envie de la prendre, mais... Plus important c'est toujours de détacher les gens. Tintin. Ok. Un peu naïf. Qui arrive de derrière, ça il faudra faire attention.
Mais on en voit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il y a potentiellement encore 3 nids. Ok, alors je pourrais retaper. Ouais, si, on va retaper quand même. Ça aurait été bien de libérer son voisin, mais. Formidable. Ok, ça c'est relou. Faire ça. Couvrir le front. T'es pas trop mal placé. Là-bas, on pourrait tenter de le détruire avec lui. Ok, ça c'est relou. Attention à Bertel, après on va avoir du monde qui va venir l'aider. Ça on n'en parle plus. Ça m'arrangerait s'il pouvait éviter de mourir. Ok, elle a entoilé celui d'à côté, c'est cool, merci à elle. Nice. Ok. Un combat bien mené. Ok, donc là on part en... On vadrouille et... Les baraques vont être construites. C'est assez cool quand même de reconstruire les villages. Surtout en période de... Surtout en période de guerre. Evendorf. Y'a quoi là-dedans? Ok, on va se barrer. Est-ce qu'on vend bien? Bon, correct. Ça nous sert à rien de nous trimballer ça si on va combattre dans le... Dans le nord, je pense. On va s'en parler, on n'utilisera pas. L'outil, on en est où? Oh, on a là. Donc là, normalement, si j'arrive à Valheim, la ville est assiégée. Pas du tout.
Niveau chien, on en avait beaucoup ou pas? Non, non. Ils sont tous morts, mes chiens. Allez. Allez. On va essayer de se prendre un petit chien alors. Alors, il faudrait les prendre avec armure si on veut qu'ils survivent, mais bon. C'est quand même un investissement. Sont quand même bien avec eux. C'est bien d'en avoir un avec un tireur en cas de besoin ou avec le Bannerman. Ça peut aider en fait à drop l'aggro. Hein. On va aller là et au pire s'il n'y a pas de mission on ira quand même piller dans le nord. Là il y a un weaponsmith. Allez. Dites-moi que vous avez une arme cool. On peut aller clear ça sinon. Putain, en poste de brigand. Un brigand marksman, sans brigand honneur, un brigand leader. Ok. Bon, il y a un leader, peut-être qu'on aura quelque chose de. Toi aussi, il faut que je trouve une arme. Alors, ah oui, c'est vrai, c'était celui qui se battait à l'épée, mais qui est. qui a le pied pété. Fuck. C'est pas là où je me serais mis, je vais pas te mentir. Oh, la belle armure! On a le temps, il y a qu'un tireur, donc on a largement le temps de les laisser venir jusqu'à nous. Oh la belle armure, regardez-moi ça. Surtout s'il tire sur le mec qui a le meilleur bouclier pour la défense à distance, c'est quand même assez cool. 6 tours, on a le temps d'attendre. Ok, super. De toute façon, il va y avoir une dagger partie par ici. Toi, t'es plutôt un tank, tu vas aller te placer ici. Oh, faut que je fasse attention, son chien est en 2, son clé de ralliement est en 3. Bien. Oh, ça veut dire que toi t'es sans défense. Bien joué. Ok. On va faire plaisir cette armure parce que. On en a besoin, je vous le dis. J'aime pas trop par contre ton marteau, j'avais pas vu cette info là. Est-ce qu'il meurt en 2 coups? Difficile à dire. On pourrait le stun quand même. Dommage. Alors on va faire quand même une petite passe au cas où. Il a pas levé son bouclier. Le chien, ça te coûte cher à déposer. On va pas. Idéalement, en fait, faudrait que j'arrive à me faufiler là-bas derrière, mais. Dommage. Petit cri dans la tête là. Et non, c'est raté. On va lâcher le chien pour qu'il aille tuer lui. Ou l'archer si tu veux. Comme tu veux.
sens que la stratégie défensive c'est pas trop mieux. Good, bon, ça fait dégâts à l'armure, ça c'est relou, mais j'aimerais bien éviter d'avoir 47 morts. Mangez-le. Ah, bah d'accord. On n'a pas l'allure. Alors le danger c'est que du coup ils vont venir bouffer les armures mais... T'es un peu dans la merde. Il faudrait se faufiler, voilà, ici. Run them down. Ok, nickel, il a raté ses coups. Ah putain, il a filé d'armure. Faut le tuer, les enfants. Ok, toi tu peux attendre encore. Il avait la knife encore, on l'avait pas proc. Putain, il a plus d'endurance. J'ai peur qu'un des chiens se faufile ici. Bon, ça va. Putain, il a mis giga cher à l'armure. Hein. Après de toute façon je l'avais déjà tapé avec mon bouclier donc on va dire, on va partir du principe que... Ok. Qu'on aurait pu ne pas l'avoir. Très très bien. Jackie la fripouille, tu peux nous mettre une vraie armure du coup. Toi tu peux mettre ça. J'ai une armure à 160 qui peut aller sur... Bah, toi c'est bien quand même. 78, toi t'as une armure à 150. Dragging on. Ok, donc on commence. On arrive doucement vers la fin de la guerre. Est-ce que notre Weapon Smith il aurait une petite arme pour nous? Petite arme. Ok, on a un fléau quand même à 45 à 30. Bon, on a quand même un gros fléau. Est-ce que c'est si bien que ça? C'est la question qu'on se pose. Quelle est la meilleure arme pour un lone wolf? Ah oui, merde, j'ai jamais remis ma superbe écharpe. Bon, toi, tu peux le prendre. En fait, la question elle est là. On a à peu près toutes les armes disponibles. Pour moi, si je veux créer un super sort là, il faut forcément une arme qui tape en AOE. Et une des meilleures armes en AOE, c'est quand même le fléau. 45-90, 30-115, 40-50-80-100. La hache tape quand même vachement plus fort. L'intérêt du fléau, c'est vrai que c'est si crit et il tape sur la tête, bon, il calme tout le monde quoi. Mais la hache, ça c'est une bardiche, c'est pas tout à fait pareil. Elle a pas les mêmes coups en fait. Elle a le coup en ligne. Est-ce qu'on se prend une Great Axe? Un peu chier d'acheter maintenant parce qu'on en a vu quelques-unes dans l'aventure mais... C'est un peu là la décision quoi, fléau ou hache?
L'intérêt de la hache, c'est qu'on peut lui mettre quick hands et du coup le faire taper un peu à distance. Qu'on pourra pas faire avec le fléau. Vous savez quoi, ça va être hache, je pense. De toute façon, au bout d'un moment, il faut qu'on prenne une arme. Il faut prendre des décisions. Tu seras un spécialiste de la hache. Skill build up. Donc, on fait moins de fatigue. Split shield to shield, donc ça va être 50%. Round swing, and expansion to hit. Et donc, on a ça. Et le round swing, c'est quand même très fort. Je vais te mettre du coup Lone Wolf. On va commencer à te. L'objectif, c'est vraiment que lui s'isole et devienne notre super guerrier qui combat partout. Bon, je peux te mettre ça quand même en cas de besoin. Mais à mon avis, t'en auras pas trop besoin. 36 de fatigue. Par contre, oui, on a un problème d'endurance, mon cœur. Mais c'est à cause de ça, et oui, ça diminue sa fatigue aussi. Combien encore? 19 à 22. De Canax, ça se vend bien. Allez, hop, ça dégage. Bon, ben on va aller faire un peu de. Toi, je peux quand même te mettre du coup là, ça. Même si, bon, il y a peu de chances que tu l'utilises, on sait jamais. Et ben, on va aller se faire une petite guerre, mais je pense qu'on verra ça dans le prochain épisode. Donc, j'espère que ça vous a plu. Ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire. On se retrouve très bientôt pour la suite de l'aventure. Allez, ciao, ciao!